12 juillet 1998, la France est en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Les Bleus comptent un 12e joueur dans les tribunes qui a bien du mal à se rappeler du nom de ses coéquipiers. Après 96 minutes, la France remporte le match et devient championne du monde. Celui qui peinait à se rappeler les noms des joueurs une heure avant le match devient, le temps d'une soirée, le supporter numéro 1 des Bleus.